Alors, je suis allé à la ZAD du Moulin dans le but de rencontrer des gens pour discuter de la façon dont ils vivent dans des ZAD. Je pense qu'il y a des choses qui m'intéressent dans cette façon de vivre en collectivité. C'est un type de collectivité qui m'intéresse. Mais malheureusement, il n'y avait personne. Là, on est mi-août et j'ai l'impression que la ZAD, elle est en train de se terminer. Il y a des personnes qui sont venues juste après. Et ils m'ont dit que les zadistes avaient rangé à l'extérieur, ils avaient fait des monticules de trucs rangés par matière, par bois, métal, tissu. Alors donc malheureusement, je suis arrivé un peu tard. Mais bon, c'était quand même sympa d'être passé voir. Les personnes qui m'ont raconté ça, elles n'étaient pas de la ZAD, elles habitent dans un village à côté. Et elles m'ont indiqué un petit chemin après dans les champs pour aller voir le chantier. On ira voir ça juste après. Et apparemment, d'après les mêmes gars, à l'heure où je fais cette vidéo, la ZAD s'est fait entièrement nettoyer. Donc là, je me suis mis dans le petit chemin et je vais aller jusqu'au bout pour monter sur la petite butte et voir le chantier. Donc apparemment, ici, il y avait un bois. Je sais pas s'il était vraiment là ou plus loin. Mais bon, quoi qu'il arrive, on peut imaginer qu'il y en avait un et qu'il s'est fait complètement raser. Reflecting half the things that I've learned. A widow.